Vous suivez la télévision ici à Nganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La facilitation dans l'octroi des visas aux hommes d'affaires est un des points qui ont été évoqués au cours du 23e sommet des chefs d'État, du commissaire. Le secrétaire général de cette organisation indique que cela permettrait de développer le secteur du commerce dans la région. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les plus violents mêlés de vents violents se sont abattus dans l'après-midi de ce mercredi sur 5 sous-collines qui composent la colline de Kagazi, de la commune Lukombo, de la province Chibitoke, et 78 maisons de cette localité ont été emportées. Emmanuel Nsengiyumba, chef de cette colline, demande que la population touchée soit assistée. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les pays membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe recommandent la mise en place des commissions de dialogue dans le but de consolider la paix et la sécurité au Soudan, en Somalie, et de mettre fin aux hostilités de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué sanctionnant la fin du 23e sommet des chefs d'État, du commissaire, le secrétaire général de cette organisation, Madame Kapwepwe, a indiqué qu'ils ont promis de développer le secteur du commerce dans la région en facilitant l'octroi des visas aux hommes d'affaires. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoman. Dans son communiqué de la clôture du 23e sommet des pays membres du COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa en anglais, qui a été dit par le secrétaire général de cette organisation, Chierche Mundu Kapwepwe, a indiqué que lors d'une réunion à huis clos des chefs d'État qui ont répondu présents à ce sommet, ont promis de promouvoir le secteur du commerce et de l'industrialisation et de faciliter l'octroi des visas aux hommes d'affaires membres de COMESA. Ces chefs d'État ont indiqué qu'ils sont inquiets de la guerre qui se déroule au Soudan. Ils ont demandé la mise en place d'une commission chargée d'organiser le dialogue entre le mouvement de l'OBEL et le gouvernement. Nous condamnons tous les actes de violence et d'hostilité au Soudan, raison pour laquelle les présidents du pays membre du COMESA demandent la mise en place d'une commission qui peut aider à établir et prioriser le dialogue pour trouver une solution définitive au conflit. Les chefs d'État membres du COMESA sont également contre les actes de terrorisme perpétrés par le mouvement d'Al-Shabaab en Somalie. Ils ont demandé au Conseil de sécurité de l'Union africaine de prolonger le mandat pour les forces se trouvant dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, Atimis en Sikre. Nous condamnons fermement toutes les actions d'Al-Shabaab et soulignons l'importance du soutien à la lutte contre les activités terroristes en Somalie. Nous adressons nos sincères remerciements aux pays contributeurs à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la réconciliation en Somalie. Nous apprécions le Conseil de la sécurité de l'Union africaine pour avoir prolongé la mission jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces chefs d'État se sigent également contre les hostilités qui s'observent à l'est de la République démocratique du Congo. Pour trouver solution à ce problème, ils ont affirmé qu'une commission de sages, composée de 6 membres de COMESA, sera mise en place dans le but de consolider la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Continuons ce journal par la page Société. Plus de 10 000 enfants ont été enregistrés dans la province pilote de Kirundo dans des délais légaux à travers la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'État civil et les formations sanitaires. Cela a été annoncé par la représentante de l'UNICEF au Burundi, France Béguin, lors du lancement solennel ce jeudi de l'ordonnance conjointe entre le ministère de l'Intérieur
et le ministère de la Santé sur cette approche qui facilite l'enregistrement des naissances des centres de santé dans le but d'alléger ce processus. Le directeur général de la planification au sein du ministère de la Santé appelle les intervenants dans le secteur de la santé à se mobiliser pour la mise en place de cette initiative. Le point avec Ornella Mchou. Depuis la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'État civil et de santé pour l'enregistrement des naissances dans les structures sanitaires de la province pilote de Kirundo, depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, le ministère de l'Intérieur indique que des progrès remarquables dans le domaine de l'enregistrement des naissances ont été enregistrés. 12,73% des enfants de moins d'une année sont enregistrés contre 84% de moins de 5 ans. La représentante de l'UNICEF au Burundi indique que, avant le mois d'octobre 2023, seulement 34% des enfants de la province Kirundo étaient enregistrés à l'état civil, puisque les parents devraient parcourir entre 30 et 40 km pour atteindre le chef-lieu de la commune. Cette situation a changé grâce au soutien de l'UNICEF et de ses partenaires qui ont favorisé l'amélioration de l'accès à l'enregistrement des naissances dans les délais légaux à travers la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les services de l'État civil et les formations sanitaires. Les agents de l'État civil offrent désormais des services d'enregistrement des naissances dans les centres de santé. En effet, 100% des naissances vivantes survenues dans les formations sanitaires couvertes par l'expérience pilote ont été enregistrés dans le délai légal de 15 jours grâce à l'enregistrement des naissances au lieu et au moment de leur survenance. Avec ces premiers résultats très encourageants et forts du potentiel du système sanitaire du Burundi, avec un taux de 76% de naissances qui sont survenues dans une structure de soins, ainsi que 83% des nouveau-nés qui ont accès au premier vaccin, il ne fait aucun doute que le Burundi atteindra dans un futur proche l'enregistrement universel des naissances. Le directeur général de la planification au sein du ministère de la Santé publique interpelle tous les intervenants dans le domaine de la santé à assurer la mise en œuvre efficace de cette approche. Nous appelons aujourd'hui toutes les autorités sanitaires provinciales ici présentes à se mobiliser pour appliquer cette ordonnance conjointe avec rigueur. Cela signifie veiller à ce que chaque naissance soit enregistrée, bien évidemment, à renforcer la collaboration entre les agents de santé et les agents de l'état civil et à sensibiliser continuellement les familles sur l'importance de ce geste. Et d'ailleurs, nous sommes tous redevables parce que nous œuvrons pour l'unique gouvernement du Burundi. La collaboration est essentielle. Elle est la clé qui permettra de maximiser les impacts de cette politique en assurant une efficacité durable dans chaque province et en créant des communautés où chaque enfant est légalement protégé. Votre rôle est crucial pour faire de cette interopérabilité une réalité dans tout le pays et pour chaque succès observé à Kirundo puisse être répliqué dans toutes les provinces du Burundi. Je ne saurais conclure sans exprimer ma gratitude envers nos partenaires au développement et en particulier à l'UNICEF qui nous soutiennent sans relâche dans cette mission. Toutefois, les défis de l'état civil au Burundi restent observés, notamment le problème de conservation, de traçabilité des documents et de gestion des archives. La célébration de la Journée mondiale de la femme rurale a pour but de soutenir l'autonomisation des femmes rurales et de soutenir les projets de développement. C'est du moins les propos de Léonard Ndikiminwe qui a plutôt représenté l'ONU Femmes, qui a précisé qu'en renforçant leur leadership et en améliorant leur accès aux ressources agricoles, ainsi qu'en encourageant leur participation aux décisions stratégiques, permettra à ces femmes d'œuvrer pour un développement rural inclusif et équitable. C'était ce jeudi en marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2024. Suivez-le à ce propos. Ces femmes sont le pilier de leur famille, leur communauté et de la société tout entière. Pilier de la main-d'œuvre agricole,
Comme dans beaucoup de pays en voie de développement, la femme rurale burundaise est employée à plus d'un tiers dans l'agriculture en tant qu'agricultrice de subsistance, petite et moyenne entrepreneur et travailleuse non rémunérée dans leur famille ou occasionnellement rémunérée de manière disproportionnée. Les femmes burundaises jouent un rôle vital dans les économies rurales où elles s'occupent non seulement des tâches agricoles, mais également de celles propres à leur foyer et à leur communauté. Je vous l'avais dit en titre, 78 maisons ont été détruites par les pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus dans l'après-midi de ce mercredi sur 5 sous-collines qui composent la colline de Kagadi de la commune Rumonge de la province Chibitoke. Emmanuel Singiumba, chef de cette colline, demande que la population touchée soit assistée. Suivez-le. Abanyagihugu nyine barababaye bari mu gahinda barifumbereje kuko urumva nk'ibyabomo imvura. En ce moment, la population est dans la désolation car pour certains, les toitures de leurs maisons se sont entièrement écoulées et ont endommagé les ustensiles de ménage. Pour le moment, nous sommes en train d'identifier les dégâts et d'apaiser la population touchée. Pour toute personne ayant subi des pertes à la suite de ces intempéries, nous demandons de l'assistance, notamment en objets ménagers et en couverture, de la part de toute personne ayant une âme charitable, car elle est dans une situation critique. Ces dégâts ont été occasionnés dans la commune Rugombo plutôt que la commune Rumonge de la province Chibitoke. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.